Yep, les glitchers, c'est Willax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment épique. Donc ce sera pour faire du skateboard et voler dans les airs sur GTA Online. Donc tout d'abord vous devez vous rendre à la base nucléaire comme moi. Vous devrez positionner votre véhicule comme ceci sur les rails du train. Ensuite vous monterez dans le train de marchandises. Donc moi j'ai failli de la première fois, donc désolé pour ce gros fail. Voilà. Donc faudra juste monter dans un petit wagon vide comme ça, voilà. Hop, donc je vous remonte à peu près sur la carte où se situe l'endroit que vous puissiez bien visionner pour la prochaine fois. Donc voilà, c'est ici. Hop, donc désolé pour ma voix parce que je suis un peu enrhumé et j'ai du mal à articuler. Donc voilà, vous vous positionnerez dans le coin, vous vous activerez en mode passif et aussitôt vous désactiverez. Voilà, comme ça. Une fois que vous aurez désactivé le mode passif, un énorme glitch va se produire. Donc voilà, vous allez tout simplement wallbrush le train. Et ensuite, vous allez être propulsé dans les airs. Vous allez voir. Hein. Donc voilà, moi je vais vous laisser en fin de vidéo parce que j'ai pas grand chose à raconter. Si ce n'est que, moi je vous invite à liker la vidéo, à la commenter. Et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce que voilà. J'ai dû recommencer ma chaîne, je l'avais expliqué dans la vidéo présentation, j'avais 5000 abonnés, donc voilà, j'ai quand même de la motivation, mais bon, si je pouvais avoir quelques abonnés, parce que si je fais des vidéos et qu'il y a 2-3 vues, bon, ça me motive pas trop quand même, mais voilà. Donc voilà, on va pas se laisser faire, voilà. Donc moi je vais vous laisser, et je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à passer souvent sur ma chaîne, car je mets plusieurs vidéos par jour. Sur ce, ciao tout le monde, et peace. Left to say, and how could I move on when there's still missing yesterday? How could I go on when there's too much left to say? And how could I move on when there's still missing yesterday? All around the productions. When there's too much left to say, and how could I move on when there's still missing yesterday?